Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Terminator Résistance. Donc, après avoir échappé à cet hôpital et à de nombreux, très nombreux Terminators, nous sommes de retour pour... Oh, thank God, you're finally here. How did it go? Did you find the soldiers? I did. I helped them escape from that hospital. You don't give up on your people, do you? I like that. So what now? They're supposed to come for me soon. Great. That means that you're going home? No more scavengers constantly nagging you to do things for them? I bet you like the sound of that. Oh, Erin's still up too. Bah, en fait, j'aimerais bien que tu me suives, ça serait cool. She won't admit it, but she was just as worried as I was. Histoire, je vais faire. Mais oui, je vais connaître ton histoire. Et chose que j'ai oubliée, mais en même temps. Voilà, c'est jamais. As-tu besoin de quoi que ce soit? Is that your best pickup line? Sorry, that was a bad joke. Comment t'as deviné que je te draguais? I tend to do that when I'm stressed. Ah non, non, c'est vrai. I think I got it from my dad. Better that than his mustache, right? I'm sorry, don't mind me. Non, c'est sûr qu'une moustache tourne une drôle de tête. Donc c'est ta poche. Very close. As close as could be. You taught me everything I know. Sometimes without me even knowing. This one time, when I was little, he wanted to make a huge sign that said, "Désolé pour la bouteille d'eau." On the side of our house in Pasadena. So he said, "I bet you can't spell that." And of course, I had to prove him wrong. Believe me, now I know how stupid I was. Pas du tout. C'était très malin. Not at all. That was very clever. Yeah, he was always full of bright ideas. Thanks for trying to make me feel better. After Judgment Day, my dad turned our house into a safe haven. A home for everyone who lost theirs. We were like a family with an endless supply of uncles and aunts. I guess my father wanted to help with the war. We never really used guns. So the only thing we could do was to help others in need. On dirait qu'il a aidé beaucoup de gens. Si tu ne sais pas te protéger, tu ne verras pas aussi longtemps que... Tu ne verras pas assez longtemps pour changer les choses. Ouais, on va être sympa. Tu l'as fait. Right till the very end. Anyway, it was actually really cool. Everybody loved him, and he loved having them around. Ah oui, je suis en mode dragouille. He had this really terrible one. He'd walk into the room and ask if anyone had seen his remote because his team was playing. I always laughed at it. I'll never understand why. Était-il fan de sport? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Was he a sports fan? I don't think so. He had a jersey that he wouldn't let anyone touch. But I don't think it was a token of his love of sports, or like a reminder of simpler times. I'm sorry, you probably have enough on your plate. Anyway, thanks. It's really nice to have someone to talk to. Mmh, tu as aimé, mais ça me fait plaisir. Allez, c'est pas tout ça, mais nous avons des gens à rencontrer. Je t'aveugle. Bon, bah, de toute façon, ça va être séquence de blabla. No need to worry. I'm fine. Who said I was worried? I've been thinking a lot about it, and if I can, I've decided to join the resistance. I'll do more good there than here. I'm glad to hear that. I just hope you're better supplied over there than we are. Speaking of which, I see you've got those antibiotics I asked for. Good. Now I can call Ryan off. I asked him if he brought a shovel with him. If you think that was too morbid, he said that after Judgment Day, digging graves was one of the few things he actually got better at. Quête d'hôpital terminée. Ouais. On a chié mais c'est fini. Oui, niveau 10. Et donc du coup on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite augmenter sa compétence en armes. C'était armes. Discrétion, est-ce que c'est vraiment utile? C'était le sac, on avait aussi un souci pour prendre plus de trucs. Au final, c'est compliqué hein, de faire des choix. Fabrication, je pense que ce sera pas forcément très utile dans le sens où je fabrique quasiment rien. Combat, bah, arme. Alors maintenant. Maintenant.
ce que j'ai. Putain, t'es sérieux? Donc j'étais obligé plus ou moins de me... Bah pas obligé, pas plus ou moins, je suis obligé de m'enfuir pour pouvoir survivre au Terminator de tout à l'heure. Parce qu'il faut être niveau 12, donc... Et vu que j'ai... tué je ne sais pas combien de machines... Là, c'est rigolo de voir le T-1000. Ouais, je trouve ça marrant. Qui es-tu? Je connais pas ton matricule. Private Rivers. Yes, sir. I've got a message from South Division's Field Commander Baron. She's agreed to meet with you. She set up a rendezvous point at the unfinished metro station. You'll need to enter the canal system under the bridge. J'oublie tout le temps, désolé. To take place tomorrow, so I suggest moving out soon. Understood. And Rivers, because of what you did for our guys at that hospital, I'll give you a heads up about Commander Baron. Don't expect a warm welcome. Pourtant, j'ai sauvé des gens, quoi. Looks like you're leaving us soon. Aaron wants to join me. What about you? What do you think about enlisting? Me? No. I still have hope I'll get that bus running again. Also, I don't like the attention Skynet's giving you guys. I'd rather stay as far from the line of fire as possible. Non, mais... Patrick, get back here! You better go see what's going on. Bon, j'arrive. Coucou. Oh. Je veux pas partir sans toi. Viens avec moi, s'il te plaît. Is everything all right? Patrick's decided that he wants to be a scavenger. Now he won't come out, even though I'm worried sick he'll get stuck. Get back here right now, Patrick! But there's lots of cool stuff in here. You told me it's our job to find stuff for the group. Écoute ta sœur. Your sister is right. Get back here. It's too dangerous. Oh, all right. Coming out. What was that all about just now? I've got a meeting with Commander Baron. I'm leaving soon. Okay. I'm going with you. And don't even try to stop me. Non, t'inquiète, je demande que ça. What's the matter? Don't they let you boys bring dates? Ça a l'air de plutôt bien se goupiller pour moi. Ça a l'air de plutôt bien se goupiller pour moi. Don't worry, kid. She's just worried about you. Let's go! Quitter la planque? Oui! Station de métro. Le commandant Baron a accepté de me retrouver à la station de métro en travaux. Ouais, je pense que les travaux vont être en retard. Je vais enfin pouvoir l'avertir de l'existence d'une nouvelle menace, une créature mi-homme, mi-humaine, mi-machine. Oh, en cours de création par Skynet. La question est... Et me croira-t-elle? Bah oui. Si on voit et que ça a la tête de Schwarzenegger, je rigole. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai eu cette idée, j'espère qu'il y aura la tronche de Schwarzenegger. Un peu comme... dans celui-là. Avec un Schwarzenegger en synthèse. Le premier en synthèse. Parce qu'il était gouverneur au moment du tournage. Donc du coup, il n'a pas pu se libérer. Du coup, ils l'ont fait en synthèse. D'où pour faire un petit clin d'œil sympa. Alors maintenant, la synthèse, elle pique un peu les yeux, mais pour l'époque, je trouvais ça super bien fait. Et il n'y a pas que moi qui trouvais ça super bien fait. Ah, désolé, je devrais pas rôder avec une arme à la main. Je te rends heureux. Je te rends nerveux. Désolé, excuse-moi. Surtout, vu ce que ça sert contre les T-800. I want to meet Commander Baron myself. They're here. When I heard that Private Rivers of the non-existent Pacific Division wants, no, needs to have a meeting with me, I thought, oh, what a lucky girl. Bonjour. I am. But then I started thinking, who is Private Rivers? And why should I treat him as anything other than the deserter he is?
So right now I'm hoping you give me a good reason why I shouldn't just skip the court-martial and execute you where you stand. Parce que c'est bientôt la fin du monde, donc du coup la cour martiale, on s'en branle complètement. C'est bonne raison, Chou. Always bring unauthorized civilians to fight your battles for you. We would have got to you sooner if you hadn't pulled out all your troops from Pasadena. People died there because of you. And what did you do about it? Did you pick up a gun and fight back? Or did you run like you sewer rats always do? Alors, moi je suis du côté de Jennifer. Jennifer's right. There's no need for any of that. Yeah. Today is all about private rivers. So what can you tell me that I don't know already? A few weeks ago, the outpost I was stationed at was ambushed by a Terminator, I think. It was half man, half machine. The entire Pacific Division was wiped out by a single enemy. Half man, half machine? What are you talking about? How did your men let an enemy get that close to you? And we didn't know it was a machine. It could walk, talk, bleed, sweat. There was no way to distinguish it as an enemy. It infiltrated us perfectly. This infiltrator, is it still alive? I'm not sure. Okay, for now keep everything to yourself. I don't want any rumors, especially since you only think you saw something. Merci, je suis sûr de ce que j'ai vu. Skynet's coming. We're not done here yet, Rivers. Take this plasma. Je peux pas, je suis pas assez bon en compétences d'armes. Time to act like one. To your positions. Drones, up there. Ah si, ça y est, j'ai assez de compétences maintenant. Ah, avec la petite visée laser, enfin, si on call off. Ah bah non, si tu te protèges en plus de mes tirs, ça va être... Putain, ils font mal, ces saloperies. J'ai l'impression que son micro a tellement saturé, nanana. C'est bon. C'est bien, je me sens un peu moins seul. On bouge, mais je récupère le matos. La musique elle est trop bien. Oh putain. C'est bon, on leur fait des dégâts? Ah, je vais fuir. J'ai pas eu le temps de me soigner. J'étais en panique. Je l'ai lancé une bombe au lieu de me soigner, donc du coup c'était pas le bon bouton. Pourtant j'ai même pas eu le temps. Si je vise un petit peu mieux, je m'en sortirai sûrement mieux dans cette guerre à la con. Allez-y, combattez un petit peu, là, faites quelque chose. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas des masses très puissants, hein, comme arme. Pourtant, ça sera utile contre les Terminators. Bon. Moi, je vous planque, hein. Ouh, Tiki Sad. Grenade! Oui, blanc, buguez bien! D'un côté, ah, en fait, j'ai fait une boulette, j'ai pas lancé de grenade, j'ai... Hasta la vista, baby! Le nom du succès que j'ai déverrouillé. J'ai pas tout! Cours, putain de bordel! Pourquoi il bloque? Metals, tire machine. Headshot, ça marche sur eux. Voilà, je sens que le jeu va bien changer. Hein, parce que maintenant qu'on peut tuer les T-800, il n'y aura plus l'aspect de peur en les croisant. Ce qui est un peu dommage hein, dans un sens. Oh, pardon, je ne l'ai pas vu. Oh, quel regard méchant. Après, si on a 15 000 comme tout à l'heure, tout seul, je les fais pas. Hein. Oh, le balcon, c'est bon. Des robots, des robots, des robots.
J'adore le design des Terminators. Et dire que quand j'étais gamin, j'avais peur des Terminators. Le premier Terminator, à la fin du film, je l'ai regardé en avance rapide parce que le Terminator me faisait peur. Et maintenant, j'ai trouvé super joli. J'adore leur design. Comme quoi, hein. On change quand on est petit. Bon, on va changer quelques trucs, on va prendre ça, hein, plutôt que... Parce qu'on est d'accord que tout à l'heure ça servait à rien. Voilà, oh. Grenade ! Je suis pas sûr que les headshots servent à quelque chose contre eux, bizarrement. Alors ce que je disais tout à l'heure, en disant que le jeu était buggé quand il bougeait pas, en fait, je me dis que ce genre de bug peut être accepté dans le sens où on peut dire « Ah, mais c'est pas le jeu qui bug, c'est le Terminator qui bug. » C'est un robot, après tout, qui dit qu'il a pas un moment où il marche pas bien et il reste planté là. Ce serait une certaine logique. C'est con, mais ça fait marrer, ça c'est logique. Oui. Let's go, les amis. À moi. Donne-moi tout ça. Ah. On va repérer. En même temps, c'est bien qu'il y a des caisses de munitions partout. Putain. Ah, ça devient maintenant full FPS, on fonce, on tire dans le tas. Est-ce qu'on a des armes qui commencent à faire quelque chose? Putain, par contre, j'ai l'impression que... Que ma vie... file à une vitesse incroyable. Bon, les T-800 restent quand même les plus forts, hein. J'étais en train de comparer par rapport à... au robot blindé là qu'on avait croisé au début du jeu. Et au final, on vient d'en croiser un là et on lui fait beaucoup plus mal. Hein. Cœur, cœur, cœur pour ta vie, cœur pour ton cul, putain. Je cours tellement lentement. Suive Baron. Ça arrive, j'arrive au cœur de la tempête. Vas-y, je te suis. Oh, je te suis pas. Je fais demi-tour. Ah putain, trop bien. Ils ont pris en compte que quand un allié passe devant, il ne tire plus. Alors que j'avais le bouton qui... de tir enfoncé. Alors, est-ce que ça fait un headshot? Non, c'est pas un coup critique. Hein. Ah si. Un headshot fait un coup critique, j'ai rien dit. Trop bien, je m'éclate. Je n'ai plus peur de vous maintenant, les T-800. Je peux vous affronter tout seul. Oui, je n'ai plus peur de vous. Voilà, quand je vous éclate la gueule. Alors, j'ai le temps de... Non, j'ai pas le temps, mon Dieu. Bon, tant pis. Là, c'est couloir. Justement, je disais au début, c'est cool, c'était pas des couloirs, tout ça. Et là, au final, cette mission-là, c'est couloir. Bon, elle est fun, mais couloir quand même, quoi. J'espère que ça sera pas... Le jeu va pas se terminer comme ça. Oh putain, il y a des sous. Oh, il y a du pognon. Qu'on aide qui? Vite, prenons ces munitions. Cours, Jennifer. Je ne peux rien sans... Je ne suis plus rien sans toi. Je me soigne parce que putain, ça pique. Les tirs à plasma, ça fait mal. Oh putain, ils font mal. Ça vaut le coup de se soigner. C'est quoi ça? Ah, c'est ça, ouvre-toi. Ah, c'est bien, il y a du soin en plus. Là. Super, aucun tir de réussi. Alors, si je tire ici... Pratique les shots. Oui. Je ne veux pas me soigner. Je vais montrer que je peux m'en sortir sans soi. Un petit headshot qui achève. Il y en a encore un là? Ouais.
Je prends tout. Je reviens. Ah putain de Terminator qui m'empêche de marcher, je ne peux pas l'enjamber. Le jeu n'avait pas conçu cela. C'est bien, la machine volante elle est sympa avec moi, elle me tire pas dessus. Je suis en train de cacher la moitié du texte, je suis désolé. Ok, bah on run. Je suis prêt. On y va. C'est bon, j'ai montré que je suis un bon soldat ou pas, madame? C'est vrai que t'apprends que t'es un Terminator depuis le début. Oh. Moi j'y crois pas. Ah merde. Cours. Oh, t'es sérieux? Tu voulais que j'évite ça comment? Et non, tu n'avais pas vu qu'il y avait... Tiens, un petit bazooka dans la bouche. Ah oui, mais tu veux... Tu voulais que j'évite ça comment? C'est dégueulasse. De toute façon, il y a du favoritisme, j'ai toujours dit. Bon, maintenant je sais qu'il faut aller là-bas. Couille-toi. C'est bon. Oh putain, je ne suis point mort cette fois. Je vais pas être assez vite. Ah par contre là je le sens mal parce que je suis tellement en retard. Ah, je vais me faire tuer. Non, c'est... Ah. C'est échec de la mission ou... Non, c'est prévu. Bah non, pas trop. Oh oui, trop bien, séquence à la Terminator 1. Je crois qu'il va se relever ce coup. Ah, il lui manquait une main en plus. Trop bien. Ton sac est plein. Bah oui, j'ai pris tout plein d'armes. Oh oh. Mais venez m'aider, bande de cons. Je n'ai plus peur de vous. Grâce à vos propres armes, je peux me défendre maintenant. Ça fait vraiment un gros level up quand même, le fait de d'avoir cette arme là. Je cours. Oui mon amour, je vais bien. Ça c'est pas le bus que ton pote voulait vous préparer. Oh. En fait, tous nos amis sont disparus, et par hasard, il reste des personnages principaux. Bah, c'était rigolo. Un refuge de la résistance. J'ai pu faire passer mon message au commandant Maron, mais Skynet nous attendait, avec la ligne d'annihilation qui approchait. Nous n'avions plus le loisir de nous le déplacer sans être détectés. Il ne nous restait qu'une solution, courir vers le refuge de la résistance. I'm sorry about before. And I'm sorry about your soldiers. No need for that. You'll have a hard time getting up every morning if you dwell on that too much. Machines don't do that. And if we want to destroy them, neither can we. Rivers, since Pacific Division no longer exists, you will now answer. Succès déverrouillé et de retour chez soi. You a part of TechCom. Congratulations. No more sitting around waiting for Skynet to come to you. Over here, we go out there and meet the enemy face on. Et là, on rencontre John Connor. This is it. Resistance Shelter South Division. Je sais pas, ça me semble logique. Baron. DN38217. Commander. There with me. Mon petit Kyle, Kyle Reese. Where are the others? Where's my husband? They're dead. Salut.
Over here is our quartermaster. If you need anything beyond the standard issue equipment, work it out with him. Je crois que c'était des robots aussi. Au final, je comprends mieux. Notre télo en chef. I prefer laboratory director. Like I said, Egghead. He supplies all techcom units with weapon modifications. On se voit vraiment dans Terminator 1, quoi. It is. Dans leur refuge. Everyone pulls their weight here. If someone doesn't, we become weak. And you can probably imagine where I stand on being weak. I'll get right to it. There's a reason I decided to meet you. We intercepted some interesting... Niveau 12. It turns out you're part of a prestigious group. A group of people that Skynet marked for termination. See, John Connor, the leader of the Resistance, is number one on that list. Then, there's me. I know, I'm flattered. Oh, trop bien. Every day, we lead, we fight, and we plan on how to destroy Skynet's central core. So I know exactly why we're on that fucking list. But why would Private Rivers be number three? That infiltrator said something about me being marked for termination. Hmm. Interesting. I'll have to have a word with Connor about that. And that brings me to my second point, your first assignment. After the Annihilation Line got to Pasadena, Skynet started building installations there. I want you to go there and collect some intel, so we know what we're up against. Sounds dangerous. Un peu, ouais. It'll be. Oh, check with Alvin before you go. He'll have something for you. Remember, you might be valuable to Skynet, but the way I see it, you're still a private. Dismissed. Mais je t'emmerde. And Rivers, civilians don't need to know about what happened out there. Ah, décidément. Pas dire qu'elle est très sympa avec moi. You're going back to Pasadena? Can't imagine what it's like there now. Mais le principal, c'est que tu vas bien. Bonjour. Je vais te regarder s'il y en a un gars qu'on reconnaît. Nya. Oh. Je peux même pas ouvrir la porte, je suis déçu. En fait, je vais pas du tout pas en voir. La 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 la. Bonjour, monsieur. I hear you have something for me. I do. Commander Baron wanted me to show you how to customize your weapons. Something. Aha, d'où les pupus. For some time now. You see, your standard phased plasma is in a 40 watt range. However, you can upgrade its damage, shooting rate, or stability using decoded chips. The same ones you've been collecting from fallen Terminators. You can do the upgrades yourself. When you're done, go to the quartermaster. I believe he has something for you as well. Okay. Alors, les armes à plasma peuvent être améliorées avec les puces de Skynet. Ouvrez votre inventaire, choisissez une arme plasma améliorée, sélectionnez le bouton améliorer. Ok, alors, arme à plasma. Évidemment, en fait j'en ai plusieurs. C'est la même. Ah non, j'en ai deux. Fusil à plasma, machin. Donc, est-ce que vraiment ces armes-là maintenant vont m'être utiles? Telle est la question. Ah, ok, c'est l'arme qui m'a donné, mais je n'ai pas encore accès à celle-là, mais je pourrais la faire. Ok, donc on va déjà améliorer l'arme là. J'ai tout plein de pupus, putain. Alors, meilleure cadence de tir. Les dégâts. Ah putain, c'est pas trié en fait. Ah, c'est, si, c'est trié par rareté. Stabilité. Bon, bah, du coup, avec la stabilité, parce que. Je peux pas mettre deux cadences de tir. Ah si, putain. Circuit déconnecté. Ah oh. Faut en plus que ça soit lié. Ok. Si en plus il faut que ça soit lié, donc forcément... Bah ça passe à jouer le... Non, comme ça. Ah, il faut que ça soit... Oh putain. Attends, il faut forcément que ça soit un 3 et un truc comme ça, quoi. Ouais. Je
J'ai que dans ce que chargeur 31%. Si j'ai des munitions en plus, c'est pas trop mal. Mais en stabilité, ça aurait été bien, mais j'ai rien en stabilité qui a l'air de. Ah si. Oui si. Non non, c'était pas celle-là. C'était stabilité là. Ouais, allez, pourquoi pas. À mon avis, on peut changer au fur et à mesure, de toute façon. Donc du coup, on va améliorer celle-là. Pour le moment, elle ne sera pas utilisée, mais je pense qu'elle le sera vraiment un autre. Voilà, stabilité. Et un autre truc que j'aurais bien aimé un dégât. Les dégâts, les dégâts, les dégâts. Si je vire ça, je fais ce dégât-là. Du coup, je fais... Ah, presque. Ah, c'est pas évident au final. Il faut un 2 et 3. 10% de dégâts. En tout cas, j'aurais bien voulu stabilité. Stabilité ou chargeur. Bon, chargeur, c'est mort. Parce que tous les trucs en bas, on est d'accord qu'on va les viser. On va pas les prendre. Hein. C'est pas trop. Oh, la cadence de tir x2. D'un côté, voilà, gros dégâts, quoi. Ouais, c'est on les défonce, on les défonce. Allez, pourquoi pas. Donc du coup, bah, d'ailleurs, je veux dire, je pouvais pas les faire. Mais si, je peux. Bim. Du coup, maintenant, je peux m'en servir. Clac, clac. Du coup, j'ai des armes à plasma. Je vais peut-être les vendre, les deux autres, parce qu'au final, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, compétences, qu'est-ce que je peux améliorer? La discrétion, est-ce que ça va vraiment m'être utile maintenant? Alors, survie, robustesse. Ah! Voilà. Au moins maintenant, on gagnera le maximum d'expérience possible. Ce qui est déjà pas mal. Bon. Je vais terminer cette vidéo ici, parce qu'elle commence à être un petit peu longue. Et on va reprendre tout ça dans la prochaine vidéo et tester donc ces nouvelles armes améliorer. Salut tout le monde !